voilà, notre pause à Nanning chez Moa est terminée. Nous quittons le foyer familial et nous nous dirigeons vers le Vietnam qui est à 3 jours de vélo. David a des connexions. Il a écrit un livre sur son voyage à vélo au Tibet et s'est créé un réseau d'amis. Et au passage, on a pris un ami de David. Il a un bon anglais, ce qui est plutôt appréciable. Ce soir, nous dormons dans un internat. Nous quittons l'internat. Hello, my friend. You. Yeah, this big guy's very funny. Nico assure le spectacle et on a vu une vue plutôt sympathique. La rencontre de Xiao est hallucinante. Après une première semaine assez difficile, nous sommes maintenant escortés par deux cyclotouristes locaux, c'est juste unique. Nous venons passer la barre des 10 000 km. Xiao, lui, est étudiant. Il a décidé de voyager en Asie du Sud-Est à la légère. Plaisir partagé. Bonjour, il est 9h du matin, 8h30 très exactement. Et nous dégustons des pâtes de poulet, un reste de poisson. Pendant qu'il y en a qui déjeunent salé ici, il y en a qui boivent du lait ailleurs. Bien arrivé à Pingjiang. C'est plutôt joli en fait, c'est une ville qui est au milieu des pics. Ce qui la rend très charmante. Ça c'est délicieux et ça s'appelle des... Tu aimes trop le pain. Penny, une amie de David et Moa nous rejoignent. Nous profitons de nos derniers jours sur le territoire chinois pour un side trip improvisé. Avec ses 100 mètres de largeur pour 30 mètres de hauteur, les chutes de Détienne se situent entre la frontière de la Chine et du Vietnam et sont un lieu prisé par un grand nombre de voyageurs. Le voyage n'attend pas. Encore un au revoir, mais nous disons bonjour à notre 9e pays. Tôi chỉ như tôi lái xe lỡ đụng người rồi không lẽ tôi bỏ tôi chạy luôn. Thì làm sao cho lương tâm anh yên ổn?